Il tremblait, il
Ils étaient en mouvement. Et nous aujourd'hui, quand nous voyons les gens crier Alléluia, sauter dans l'onction, être guéris, nous identifions le messager qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimé, que les gens croient ou ne croient pas. Pour nous, c'est la venue du Saint-Esprit. C'est le messager. Le Saint-Esprit, c'est lui le messager de cet âge. J'ai dit le vendredi, il y avait sept chandeliers. Et cette lampe, tu typifiais les sept esprits, les sept messagers. Mais la Bible précise, au milieu de ces sept messagers, de ces sept chandeliers, quelqu'un marchait, il était semblable à un fils de l'homme. Et frère Branham dit, depuis qu'il est descendu, depuis que la colonne de feu est descendue à la Pentecôte, elle n'est jamais retournée au ciel. Elle est sur la terre. Il a compris la même chose. Amen. Amen. Regardez dans la prédication, l'ange de l'Alliance. L'ange de l'Alliance. Moi, c'est Frère Branham dit ceci. Regardez Paul sur le chemin de Damas. Damas. Il avait vu quoi? Une lumière. Qu'est-ce que la lumière a fait? Il l'a jeté par terre. Et quand la lumière a parlé, la lumière a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Frère Branham dit, quand Jésus est dans la colonne de feu, quand il est dans la colonne de feu, il est le messager de l'Alliance. Le messager de l'Alliance. Jésus, il est le messager de tous les temps. Paul est le messager des fers. Il venait et le messager de Smyrne, Colomba et les autres, Pergame, dit, Branham, tu es ridicule. Quelque chose qu'on voit, qu'on prouve, mais comment cela ne peut être vrai? Frère Branham lui dit, écoutez, va, prends 200 francs. Soit 200 francs. Va à la pharmacie. Achète-moi un peu d'amour. Parce que je sens que l'amour commence à quitter mon cœur. Va m'acheter la paix pour 500 francs. Non, comment on peut acheter ça? L'amour, la paix, la joie, le Saint-Esprit, ce sont des choses invisibles, mais ce sont des choses réelles. Parce que par l'amour, je veux vaincre le bon tout aujourd'hui. Na colonna, je veux vaincre par le Saint-Esprit, qu'on ne voit pas. Le pasteur Yoba et moi, nous allons vaincre les maladies, les puissances démoniaques. Les choses invisibles sont plus réelles que les choses invisibles. Maintenant, retournons à la piscine. Dans la piscine, il y avait un messager qu'on ne voyait pas. Les critiques,
les critiques, Matioli, les juifs, juifs, etc. Ils ont dit, c'est les vents. Mon pépé. Ce sont des fous. Ils sont en train de tomber. De crier. Ils sont des fanatiques. Il n'y a rien là-bas. Vous voyez? C'est ce qu'ils pensaient. C'est ce qu'ils voyaient. Mais quand le messager venait, même quand moi je pars, j'apporte un message. Je veux que quelqu'un puisse venir. Tous les bruits que tu fais ici. Jusqu'à ce que ma foi cesse. C'est pour que lui puisse descendre. Parce que si lui est là, c'est fini. C'est fini pour les gars. Maintenant, regardez. Pendant que le messager descendait, la grâce de Dieu, la miséricorde, avait vu cette personne couchée. La Bible dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps, physiquement, Jésus ne l'avait jamais vu, mais comme omniprésent.